susciter le goût de lire avec des histoires très courtes, susceptibles de capter l'attention d'un jeune toujours pressé. C'est quoi des histoires pressées? Des histoires qui ont hâte de se terminer. Et ça parle de quoi? De ce qui existe, de ce qui n'existe pas. C'est drôle au moins? Souvent, mais ça dépend de toi. Eh ben dis donc, on en apprend des choses dans les histoires pressées, hein? Eh ben, vous vous imaginez qu'une femme de 38 ans a vécu 13 879,5 jours. J'étais pas au courant, hein. On va pouvoir prêter ce livre sur deux de la classe, hein. Tu vois, c'est quand même agréable de se plonger dans un bon livre.